Principal, M. le député de Marie-Victorin. Merci, M. le Président. Justement, le rapport d'experts sur l'état des finances publiques commandé par le nouveau gouvernement libéral aux économistes Montmarquette et Godbout a été déposé le 25 avril dernier. Ce rapport, M. le Président, il évoque la privatisation d'une partie d'Hydro-Québec et de la SAC comme solution au problème des finances publiques. Questionné à ce sujet, le premier ministre n'a pas fermé la porte à la vente partielle de nos sociétés publiques. En ma question au ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, est-ce que la privatisation d'Hydro-Québec est dans vos cartons? Est-ce que ça fait partie des scénarios à court, moyen, long terme que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez, oui ou non, la privatisation d'Hydro-Québec? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, l'objectif qu'on poursuit, là, c'est d'éliminer le déficit puis de le maintenir par la suite. Et le déficit qu'on aurait si on ne faisait rien... L'équilibre. C'est-à-dire d'éliminer le déficit. Le déficit qu'on aurait si on ne faisait rien, ça serait plus de 5 milliards cette année, ça serait plus de 7 milliards dans l'année suivante en 2016. Alors évidemment, on ne va pas faire ça, on ne va pas laisser faire ça. Il y a deux commissions qui vont être mises sur pied. Tout va être sur la table. Tout va être sur la table. Et si vous avez des suggestions à faire, Monsieur le député, on va les accueillir avec plaisir et avec beaucoup d'attention. Premier complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, la vente d'Hydro-Québec est sur la table. C'est ce qu'on comprend. Hein? Tout va être sur la table. C'est ce qu'il vient de nous dire, là. Monsieur le Président, Hydro-Québec, là, c'est un symbole de notre nationalisme économique. C'est une source d'enrichissement. C'est un moteur de développement économique pour les régions. Ça nous permet de s'enrichir comme société. Ça permet d'enrichir les Québécois parce qu'ils payent leur électricité moins cher, parce qu'elle est nationalisée. C'est une mauvaise idée, la privatisation d'Hydro-Québec. Vous devez renoncer à ça maintenant, pour tout de suite et pour toujours, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je pense que le député ne sait pas faire la distinction entre un programme et une société d'État. Et, franchement, je n'ai pas à renoncer à ce que je n'ai pas dit. Maintenant, si le député a des suggestions à faire pour la révision des programmes, si le député a des suggestions à faire pour la révision de la fiscalité, s'il veut nous aider à éliminer le déficit et à maintenir l'équilibre budgétaire après 2015-2016, alors bienvenue, nous sommes ouverts à vos commentaires. Deuxième complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, la privatisation d'Hydro-Québec n'est pas une solution. C'est un coup d'argent à court terme, mais après ça, tu es pris pour donner une partie de tes profits aux actionnaires privés qui vont demander toujours plus de rendement. Ça va pousser à la hausse les tarifs. C'est pas une bonne idée. On vous demande d'y renoncer maintenant. Est-ce que vous allez vous lever en cette chambre et nous dire que la privatisation d'Hydro-Québec, vous l'écartez une fois pour toutes, oui ou non? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le député, Monsieur le Président, pardon. Monsieur le Président, le député est extrêmement habile à débattre avec lui-même. Alors, ce qu'il fait essentiellement, il parle. Il parle d'un problème qui n'existe pas. Il n'a aucune suggestion à faire pour l'instant sur les commissions fondamentales qu'on va mettre sur pied. Et il débat avec lui-même. Nous l'invitons, et je l'invite personnellement, à venir discuter avec nous de révision des programmes, les programmes, on s'entend, et de la révision de la fiscalité. En terminant. Voilà. Bravo, bravo.